Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy Zonzi, j'espère que vous allez bien, vous êtes chaud patate. On se retrouve aujourd'hui pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. On joue au parc face au Shakhtar. C'est parti, on est parti. Donc pour gagner, bien évidemment, on espère cette demi-finale. Et c'est parti. J'ai déjà fait l'équipe, bien évidemment. C'est le Shakhtar, ça devrait le faire. Mais on sait jamais. On sait jamais. Mais normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et bah, c'est parti. Cette demi-finale, allez, va commencer dans quelques instants. Comment les deux équipes doivent aborder un match pareil, Pierre? L'équipe qui reçoit n'a pas le choix. Il faut qu'elle gagne sans encaisser de but. Alors que l'équipe visiteuse, elle, peut choisir entre les contres ou la gestion. Le Paris Oui, Saint-Germain s'est Matuidi, su capitaine s'imposer lors Silva, de son dernier match Thiago à Silva, domicile. Je crois que c'était face au Bayern Munich. enfin, Oui, suspendu, l'équipe s'est c'est un mot que évidemment je cherchais. imposée 6-1. L'équipe est en confiance, elle a toutes les qualités pour s'imposer encore. Edinson C'est comme je Cavani, disais, face au un joueur Bayern, dont il j'ai faudra plus l'impression que surveiller les quand on a mené prestations de 3-1, le près. Bayern avait complètement Actuellement, un lâché. des joueurs les plus en forme de son équipe, rappelons qu'il reste sur 4 buts C'est sur les dommage. 3 derniers matchs. Bon petit ratio, ça. Allez, Là, on l'heure entend de départ vraiment du Paris l'ambiance du Saint-Germain. parc. C'est un milieu à trois hein, qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. Allez. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Il faut gagner ce match, de toute façon on n'a pas le choix. Pour espérer la finale. Après on est. Ça devrait se faire contre la Juve, je pense. Voilà. Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. C'est vrai qu'après quand tu bats L'entraîneur le a Bayern choisi un 6-1, tu peux que 4-5-1 battre pour le cette Shakhtar de toute façon. rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Le Paris Saint-Germain, qui après une petite période d'un peu moins bien, est revenu vraiment au sommet. Ah oui, ils ont su attirer des grands noms du foot et c'est sûr que pour se bâtir un joli palmarès, c'est plus simple. Le truc qu'il faudrait qu'ils fassent en FIFA 18, c'est mettre C'est les logos sur les Roald maillots Kjaergaard qui devrait donner le coup d'envoi de cette rencontre. de la Ça ne va compétition. plus tarder. Ce serait bien. Après, je me méfie Ça du y est, c'est Shakhtar parce que ça parti. peut être vraiment Début de cette première période. toujours une équipe surprise. Oula. On s'approche du but. Oula. Bien Marquinhos est joué. venu chipper ce ballon. Thomas Meunier. La passe, c'est pour Lucas. Le long de la ligne de touche. Ah, ce ballon dommage, qui fait dommage, dommage, juste au dommage, dommage, gardien. dommage. Il va pouvoir relancer son équipe. Dommage. Merde. Bernard. Ouais, la prochaine fois, je pense que Oh, ce monsieur sera un l'arbitre. carton. Mais pour l'instant, l'arbitre est clément. Pardon. Joli. Attention à la main. Thiago Motta. Thomas Meunier. Il trouve Lucas sur le côté. Ah, pop, 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 pop. Dentinho. Touche pour nous. C'est Paris qui va jouer cette touche. Kurzawa. André Di Maria. Oh, dommage. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Merde, je suis parti trop loin. Palenko. Et Kevin Trapp qui s'empare de ce ballon. Ouais, la frappe. Ah! Ismaili. Dentinho.
Merci. Non, non, ça ne passe pas. Thomas Meunier. Il trouve Lucas sur le côté. Matuidi. Ballon donné en cloche pour Di Maria. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, wow, c'est le défenseur qui a pris le dessus. Ils attendent une ouverture. Elle l'a frappé. Bien trop enlevé. Thiago. Taras Stepanenko. Alors, vous allez dire, mais à la base, Verratti censé être blessé. Oui, je sais. Bernard. Mais je pense que bon, il n'est pas prêt de rejouer pour l'instant en championnat. Changement de possession. Je pense qu'on peut le faire jouer au moins en Ligue des Champions. Dentinho. Taras Stepanenko. Attention, il a du champ devant lui. Ah, bien joué, hein. Parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Attendez, bougez pas deux secondes. Juste baiser le son. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Le tir. Ballon bien négocié par le gardien. Ah putain. Le ballon est sorti, ce sera un corner donc. Oula. Ah. Bernard. Oh putain. Oh, quelle erreur. Chier. À tout le dépit du joueur qui ne comprend pas ce qui s'est passé oh, sur ce ballon. Oh, putain, petit pont sur Marquinhos. Et en plus, c'est contre son camp. Oh, fait ouais, chier. Il faut qu'il fasse abstraction, là, hein, qu'ils oublient le côté complètement ridicule de ce but. Les Parisiens qui vont visiblement essayer oh, quelque merde, chose. Je tente un truc, ça a loupé. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Maxime Malichev. Hop. Ouais, bien défendu, le ballon qui est sorti en touche. Maxime Malichev. Ismaili. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Putain! Ah, la passe mal ajustée, il récupère un ballon facile. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Oh, c'est la merde. Dentinho. Marlos. Oula. Ah, il n'y a personne pour le reprendre. Le ballon qui a filé en sortie de but. Bon, pour l'instant, je suis un peu timide dans cette demi-finale. Thiago Motta. Hop, et je fais je vais y arriver. Attention, ça peut être dangereux. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ah putain. Alors, finalement, ça a été intercepté. Marlos. Bernard. Ouais, touche après un tacle impeccable, hein, soit dit en passant. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, il en faut plus hein, pour le faire tomber, il est costaud. Et Maria. Di Maria sur le côté. Ah non, ballon perdu. Marlos. Ils sont chauds là le Shakhtar là. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture avec un tir. Putain. Ouais, le bon plongeon le tir. Oh, je suis en train d'être dominé. Le danger. Oui, ce sera un corner. Et l'attaque va s'arrêter là. Kurzawa. Marco Verratti.
Thomas Meunier. Edinson Cavani. Ouais, peut-être une situation intéressante oh, là. Putain, Blaise. Non, ça ne passe pas. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Le centre de Di Maria. Oh, ça c'était pourri comme centre. Oh. Faute qui donne un coup franc dangereux. Une mimine. Oh non, mais Edinson, putain! Il a pas cadré. Ismaili. Marlos. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Mota. Il s'avance vers la surface. Ah putain! Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Ah non! J'ai un petit peu trop appuyé. Blaise Matuidi. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Attention à cette bonne passe en profondeur. André Di Maria. Et le gardien hein, qui s'interpose magnifiquement. Putain! Je savais que j'aurais pas dû la toucher. Mal, hein. Je le savais. Arrêt, Pierre. Ah, splendide, bel effort pour protéger son but. Putain. L'erreur de débutant que je viens de faire là. Taras Stepanenko. Bernard. Ouais, bonne intervention, il récupère ce ballon. Marco Verratti qui essaie ouais, de porter le danger. Il passe au millimètre. Un ballon récupéré par l'adversaire. Ah putain, je l'ai pas vu. Plus loin. Ah, chier. Oh oui, encore une bonne passe. Marlos. Attention, il a du champ devant lui. Et ce ballon qui est perdu. Thomas Meunier. Ah ouais, impeccable ce tacle. Le ballon qui file en touche. Verratti. Blaise Matuidi. Je perds trop vite les ballons. Bonne opportunité, attention. Ah, elle a lutté à Prin pour reprendre ce ballon. Thomas Meunier. Edinson Cavani. Elle garde magnifiquement le ballon. Hein. Très belle séance de conservation. Putain. Kurzawa. Mota. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Mais ce centre ne trouve personne, si ce n'est un joueur adverse. Tiens, ah, ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Matuidi. Verratti. Il cherche un partenaire en profondeur. Ah putain! C'est bien taclé. Mota. Thomas Meunier. On s'approche du but. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. On cherche un partenaire. Elle, la voilà la frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Putain! Le joueur du Paris Saint-Germain commet la faute.
Ça va être très très compliqué. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh là là, l'occasion. C'est pour le gardien. Ça va être compliqué, je le sens. Qui compte déjà un but d'avance. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Thomas Meunier. Oh non, suivez les gars. Perdu d'un côté, récupéré de l'autre. J'ai le doigt qui arrivait. Ismaili. Dentinho. Maxime Malichev. Dentinho. Taras Stepanenko. J'y arrive oui, pas. Ça circule bien, ils construisent tranquillement. Il donne son ballon, le tire. Oh là là. Ouais, il y a une frappe de mule, mais qui ne sert vraiment à rien, qui passe très largement au-dessus. As-tu dit Kurzawa. Verratti. Cavani. Attention, il n'y a plus que le gardien. Marco Verratti. Et le but, Marco Verratti. Égalisation. Putain. Compliqué, hein. Compliqué. Ah, j'hésitais, franchement, j'hésitais à la piller. C'est tout assez logique, hein, Pierre. Sur le papier, c'était déjà la plus forte. Gardien plongeait pas, donc. Forcément, ça paye. Marco Verratti. Et ils égalisent donc un but partout. Taras Stepanenko. Faut espérer que. Les 30 derniers mètres. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Le centre contré par Levin Kurzawa. Mota. Lucas. Cavani. Oh, Akubi. Magnifique. Il s'avance vers la surface. Oh, allez, faute. Ouais, coup franc évident. L'arbitre l'a bien vu. Hein? Mais. Ouais, vas-y. Ouais, ça va dire quelque chose, de toute façon. Dentinho. Il va pas m'entendre. Bernard. Oh. Attention, ça peut être dangereux. Attention, le centre. Blaise Matuidi. Oh là là, my god, bougez les gars! Eh ben oui! Verratti, Matuidi, Edinson Cavani, Thomas Meunier. La passe, c'est pour Lucas. Ah, elle n'était pas facile, cette passe en profondeur. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Sur l'aile avec Di Maria. Marco Verratti. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Kurzawa. André Di Maria. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ah! Ouais, bonne interception. Putain! Bernard. Maxime Malichev. Oh putain. Bernard. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, le bon centre là.
Attention la tête. Oh oui, le but. Un but important qui leur permet de mener dans ce match. On revoit le geste parfait sur cette tête plongeante. Tout est bon, surtout le timing. Putain, il s'y attendait pas, je pense. Il a été pris de vitesse. Un club de la capitale mené au tableau d'affichage. Thomas Meunier. Thiago Motta. Enfin, défaite contre Nice. Là, je suis en train de perdre contre le Shakhtar. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Jolie séquence de passe. Ouais, ouais, parfait, cette interception. C'est perdu. Bernard. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. La bonne maîtrise hein, sur ce tacle. Touche à suivre. Panel Kipembe. Blaise Matuidi. Marco Verratti. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain. Il a fait signe de jouer. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Ah, il est à la récupération au milieu de terrain. Dentinho. Ils construisent patiemment. Hein. Ils attendent l'ouverture. Ah, c'est l'arbitre, putain. Le PSG. Carton jaune pour cette faute. Ouais, l'avantage avec ça, tu vois, c'est que tout le monde est prévenu. Ouais, la frappe. Ouais, le bon plongeon, le Kevin Trapp pour écarter le danger. Allez, le corner pour peut-être. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y ait que des Brésiliens, enfin, le trois quarts de l'équipe, ce soit que des Brésiliens au Shakhtar, je sais pas, mais bien négocié par le gardien. C'est très compliqué. Ouais, il reprend de la tête. Ouais, il repousse, ça joue. Bon, j'ai pas le choix. Et ça repasse par Cavani. Matuidi. André Di Maria. Kurzawa. André Di Maria. Verratti. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ouais, bon, bah, oubliez ce que je viens de dire. Dentinho. Tu peux même pas les arrêter, ces mecs. Oh. Peut-être une bonne opportunité. Tiens. Attention. Eh, penalty, comme par hasard. L'arbitre qui estime qu'il y a faute. Penalty. Moi je l'arrête. Oh, il y a une justice. Superbe intervention sur ce penalty. Touche. L'arbitre qui a décompté les arrêts de jeu. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. Verratti. Lucas. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Marco Verratti, la frappe. Oh, pop, c'est typiquement le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater. Parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard. Dommage. Blaise Matuidi. Ballon donné en cloche pour Di Maria. On s'approche de la zone de vérité. Et la voilà, la frappe. Lucas, et c'est Lucas qui s'envole, et surtout le ballon aussi. On peut-être avoir d'autres occasions, mais à un moment donné, il va falloir faire preuve un petit peu d'efficacité aussi. Hein.
Ouais, manifestement, son premier carton jaune ne lui a pas servi de leçon. Putain, je m'en sors bien. Bernard nous fait beaucoup de mal, hein, faut dire ce qui est. Les 30 derniers mètres. Lucas. Mais c'est pas possible. Et c'est un corner. Ah, ce serait bien à légaliser là-dessus. Alors que s'affiche cette statistique sur les corners. Ouais, touche. La touche pour Kurzawa. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Marquinhos. Blaise Matuidi. Il choisit la frappe. Allez, corner. L'occasion d'égaliser peut-être. Juste avant la mi-temps, ce serait bien. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Mais je comprends pas là. Analyse de la... C'est catastrophique, catastrophique. Début de la seconde période. Vos impressions, Pierre? Bah, j'espère simplement que les joueurs sont revenus sur la pelouse avec les mêmes intentions offensives qu'en première période. Tiens. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Un beau tacle, hein. J'ai démonté sa mère, moi, alors. Putain, je l'ai eu. Touche. Elle donne le ballon. Tiens. Blaise Matuidi. Mota. Hop là. Hop là. Cavani. Hop là. Kurzawa. Hop. Hop là. Hop. Non, j'ai pas demandé ça. Par Matuidi. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ouais, c'est bien donné ça. Touche, 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 touche. Yes. Ouais, le tacle et ça sort en touche. Marco Verratti et qui essaye de porter le danger. Dentinho. Ismaili. Lucas. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Putain. Ah, ballon perdu. Dentinho. Blaise Matuidi. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Maxime Malichev. On s'approche du but. Ça tourne. Il va y aller. Oh, le ballon. Oh, sauvé par le poteau. Thiago Motta. Allez, mon Lucas. Lucas. Il prend le temps de centrer. Touche pour nous. Ouais, l'arbitre qui indique que la touche est pour le PSG, bien sûr. Ouais, ça m'aide pas là, putain, les gars. Putain, c'est pas possible ça. Taras Stepanenko. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Marco Verratti. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Non, 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 putain. Taras Stepanenko. Blaise Matuidi. Oh, le ballon récupéré dans la surface. Lucas. Putain, avait, Lucas. L'égalisation au bout du pied. Ouais. Ah, ça, c'est quand même le genre d'action qu'il faut pas rater.
En même temps, Cavani, bon, il a pas vraiment bien joué là. Dentinho. Je sais pas vous, moi particulièrement, j'aurais jamais repiqué sur le côté quoi. J'aurais repiqué vers le centre. Tu mettais le défenseur en difficulté. Oh. Il lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Il s'avance vers la surface. Allez. Les Parisiens qui ont la balle maintenant, bien récupéré, bien joué. Blaise Matuidi. Cavani. Oula. Edinson Cavani, dont on apprécie généralement à la fois la polyvalence et, le, et l'esprit hein, combatif. Ça, c'est sûr que côté combativité, il n'y a rien à redire. C'est quelqu'un qui court beaucoup, qui fait de très bons appels. Putain, moi, je dois tu perds le ballon parce qu'il fait n'importe quoi le joueur. Le fait de rater quand même énormément d'occasions de but. Putain. Mota. Bonne récupération au milieu de terrain. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Thomas Meunier. Le ballon va être en touche. Mais sérieux, putain! Le changement, c'est maintenant. Comme c'est quoi ce Bins là? Allez, touche pour nous. Ouais, c'est sorti. Dégage. Ce sera une touche. Thiago Motta. Ouais, c'est sifflé, que dit l'arbitre. Panel Kipembe. Blaise Matuidi. Ça a été dévié. Touche. Ah touche là, non, par contre, je suis pas d'accord là. Perdu. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah oui, il peut poursuivre son action. Oh, c'est un poison. La Di Maria s'est arrêté, j'ai pas compris pourquoi. On s'approche de la zone de vérité. Ils font tourner. Oh, oh, penalty. Oh, en touche. Oh, il joue pas le ballon là. Allez, changement. Wow. Va te faire enculer l'arbitre là. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais. Merci l'arbitre, putain. Il va sortir un carton. Et s'il veut comprendre, s'il veut pas le péno, non mais vas-y, tu sais. Bon, le carton jaune. Il va falloir qu'il se tienne à carreau maintenant. Oh, ça me saoule ça. Ça me saoule. Ralenti, on voit le joueur se jeter hein, sur ce tacle. Ah, mauvais tacle, hein. Il est en retard et il commet la faute. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. C'est un centre. Elle s'est repoussée du point par le gardien. Bosnel. Ah, il a carrément le ballon à l'adversaire. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh putain. Jaroslav Rakitski. Fred. Oui, c'est moi. Mota. Marco Verratti. Non, non. Finalement, perdu stupidement. Ouais, là, franchement, faut dire ce qu'il y a. Ouais, bon tac, hein, il lui a pris le ballon. Ils ont décidé de poser le jeu. Putain. D'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ah si, quand même. PSG qui obtient un corner. Et le gardien à la sortie au point. Marquinhos. Ouais, c'est donné dans le bon tempo. Lucas. Ouais, la putain. Passe de Verratti et l'interception. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose. Ah, dommage. Là.
en profondeur. Le ballon qui va arriver dans la surface. Bernard. Oh putain, heureusement que j'ai. Franchement. Heureusement que j'ai fait cette tête parce que. Enfin, j'ai fait une tentative de tête du moins. Ça l'a un peu déstabilisé. Ah, tu dis. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Putain, dégage. Bernard. Merci. Kurzawa. Di Maria sur le côté. Il s'avance vers la surface. Edinson Cavani. Oh, oh non, le ballon qui revient en jeu. Mais vas-y, c'est putain. Blaise Matuidi. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Est-ce ce ballon qui traîne? Blaise Matuidi. Il cherche un partenaire en profondeur. Putain. Tyson. Il faut 3 jours pour dribbler. Putain, mais c'est hallucinant quoi. Marlos. Allez, dégage. Merci. Interception. Matuidi. Putain. Taras Stepanenko. Ah oui, wouah, monsieur l'arbitre, je joue le ballon. Oh, ça fatigue, putain. Attention à la frappe. Ah, l'arbitre assistant. Quoi? Qui a levé son drapeau. Hors jeu. Ah, il y avait un boulevard devant lui, c'était trop beau. Lucas. Je comprends pas. Marlos. Taras Stepanenko. Bernard. Merci. Bien joué, bien placé. La Marco Verratti une fois de plus. Matuidi. Mota. Non mais... Cavani sur l'aile avec Di Maria. Cavani, faut aller, allez. Dernière minute, hein, nous y sommes. Attention, il a du champ devant lui. Edinson Cavani. Ah, ce ballon qui finit loin du but. Pied carré, le mec qui reste en milieu de terrain. Tu veux marquer comment comme ça, gros? Putain. Fred. Bernard. Ouais, d'accord. Les 30 derniers mètres. Il a fait un décalage que j'ai ils même pas demandé. Patiemment, ils attendent l'ouverture. Il a choisi de centrer. Ouais. Et ce centre qui est capté par le gardien. On voit qu'au niveau de la possession, c'est très équilibré. Hein. Oui, ça n'a rien d'étonnant, ça se voit à l'œil nu. Ok. J'ai appuyé 26 fois sur la touche A, ça a pas marché. Je vous le dis. Tyson. Et ben, l'intervention, changement de possession. Di Maria sur le côté. Oh, c'est pas magnifique ça. Mais tire, bordel, putain! J'ai pas appuyé sur le bouton comme un dégénéré, quand même, bordel! Ouais, bien putain, joué, c'est inimaginable, ça! On s'approche de la zone de vérité. Ismaili. Ah, c'est complètement dévissé. Ça permet de souffler un petit peu. Déjà à mettre Rabiot. Le reste on verra après. Ils font tourner, ils prennent leur temps.
Et on peut... C'est le face-à-face avec le gardien. Tyson. Le gardien, c'est pas fini. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Non, 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 Blaise. Ismaili. Oui, la passe. Marlos. Pas de souci pour le gardien. Ballon bien négocié par le gardien. As-tu dit? Non, mais non. Il a bien lu le jeu sur cette interception. Il y en a un qui est pas dans le match, c'est Matuidi. Bernard, attention, ça peut être dangereux. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Elle sort. Pas. Si. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Lucas. Adrien Rabiot. Lucas. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Voilà, il y a faute sur Verratti, l'arbitre le siffle pas, ça. Taras Stepanenko. Edinson Cavani. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Bernard. Fred. Facundo Ferreira. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ah, on va vivre une fin de match passionnante. Putain, Matuidi, tu vas sortir, je le sens. De la fin, ça pousse dans les tribunes du parc, ça pousse même très fort. Finalement, le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Ouais, la passe de Verratti et l'interception. Peut-être une bonne opportunité, attention. Blaise Matuidi. Edinson Cavani. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Non. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Fred. Bernard. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, le centre. Et Kevin Trapp qui s'empare de ce ballon. Oh, excellent contrôle. As-tu dit? Edinson Cavani. Il tacle. Plus que quelques minutes à jouer. Tout reste possible. Il s'avance vers la surface. Le ballon qui va arriver dans la surface. Tyson. Ah, cette tête peut faire un peu cadré. Il a manqué quelques centimètres. On est dominé de chez dominé. Tyson. Fred. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. T'arrives pas à reprendre le ballon, regarde. Hop. L'attaque est propre, le ballon toujours en jeu. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Kurzawa. Les 30 derniers mètres. Ça tourne bien hein, en ce moment, ce ballon. Lucas. Verratti. Le tir. Corner. Il est important ce corner pour le Paris Saint-Germain. Ouais, l'attaque enrayée. Oh, elle va faire du bien à son équipe cette interception. L'arbitre qui n'a pas sifflé. Il laisse le jeu se poursuivre. Ah,
Il passe au millimètre. Marco Verratti. André De Maria. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, jolie conservation du ballon. Bien donné dans la course de Di Maria. Ouais, très bonne intervention défensive. Ouais, t'as que Di Maria. Je fais quoi, moi? Ouais, bonne interception. Oh là là. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Lucas. Lucas, il dort. Panel qui pète. Lucas, il dort. Marquinhos. Verratti. Il trouve Lucas sur le côté. Il parvient à stopper cette offensive. Marlos. Oh, il a récupéré le ballon dans la zone de vérité. Putain. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution hein, pour le porteur du ballon. Il y a de la qualité dans les passes, dans les déplacements également. Je comprends pas, t'arrives à battre le Bayern 6-1, tu es incapable de battre le Shakhtar. Et allez. Il y a faute, il y a non faute. Ouais, pff, allez. Où ça s'agite autour de l'arbitre. Ouais, c'est le jaune. On s'approche de la zone de vérité. La frappe. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Et on va y retourner. Nouveau corner. Et ce centre qu'il y a, Tyson. Oh, c'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il peut le dire. Allez, allez, on perd pas de temps, allez. Tyson. Blaise Matuidi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. La frappe. Ah non, un manque d'application. Mieux à faire, c'est sûr. Marco Verratti. Matuidi. Allez, on perd pas de temps, les gars. Allez, on perd pas de temps. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Taras Stepanenko. Fred. Et c'est perdu. L'arbitre qui siffle la fin. Eh ben, on a Taras bougé le cul au match retour parce que là, on a fait n'importe quoi. Cette demi-finale aller qui, bien sûr, leur laisse un goût d'inachevé. Mais bon, ils auront peut-être l'occasion de corriger le tir au retour. Match plutôt bon hein, dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus, son équipe s'impose. Que demande-le ? Bon, bah, les amis, hein, la demi-finale aller s'est très mal déroulée. La Juve a fait un partout face à Tottenham. La Juve est pour l'instant qualifiée. Pour l'instant, on a Juventus Shakhtar en finale. C'est, je pense, que c'est le match piège que je viens de faire. Enfin bon. On verra bien lors du match retour ce que ça va donner. Peut-être que chez eux, on en mettra deux aussi. Hein. Peut-être qu'on sera qualifié, on gagnera peut-être 2-0, on sait pas. Hein. L'espoir fait vivre. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour le prochain match. Donc ce sera un match de championnat face à Montpellier, si mes souvenirs sont exacts, je ne sais plus, enfin bref. En attendant, je vous dis, restez chaud patate et je vous dis à la prochaine. Bye bye!